Semaine passée, hein, Internet l'a chauffé après arrestation ancien président Honduras, Ron Orlando Hernandez, qui a gagné gros accusation de trafic de drogue qui pesait sous l'eau. Depuis tout ça, en Haïti, pas bon côté pas non. Il y a un pile causé qui a parlé son éventuel sous relation qui a existé entre président Honduras avec Olivier Martelly. Est-ce que Olivier Martelly a une relation avec le président Honduras, Juan Orlando Hernandez, qui joue une arrestation? Est-ce que Olivier Martelly est effectivement sous liste d'IE pour trafic de drogue? Et nous allons répondre à une question pour qui ça? États-Unis décide de demander extradition président Honduras qui joue une arrestation. Tout le détail, ça y est, venir jouer nous dans un petit moment. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur TAC 509, tout haïtien connecté. Je vous rappelle une émission Mon Éditorial. C'est toujours un plaisir pour nous croiser, pour nous parler pays et surtout les gagner des informations qui sont importantes pour marcher chez le côté barou pour qu'à comprendre et contexte politique pour qu'à comprendre un paquet de bagages qui a passé là, arrestation ancien président, implication éventuelle qui gagnait et avec des autorités haïtiennes à cause du trafic de drogue. Donc, faut que nous ayons des informations pour nous porter au bas. Nous n'avons pas venir n'importe gens, n'importe information pour vous. Déjà, je vous invite à partager la vidéo. Et si vous faites tomber sur la chaîne là, ou pourquoi abonner, pas hésiter à faire ça. Nous prenons pas les pays, nous prenons le débat dans un petit moment. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre chaîne Mon Éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. En guise de rappel, avant même de commencer, il faut faire un petit rappel pour nous, parce que faut que nous connaissions et qui ça nous parle parler, hein, pour qu'à vraiment mettre focus pour qu'à comprendre au final. Là, on a parlé de pays Amérique latine, qui gagne Honduras, Panama, etc., etc. Nous trouvons nous en situation côté que États-Unis toujours ont contrôle permanent, un contrôle exclusif livré gagné. Livré contrôler tout petit détail même j'en ouais, il fait pour pile pays dans Caraïbes blanc, nous gagne exemple flagrant Haïti, j'en y a contrôlé, j'en y a décidé, j'en y a gagne influence dans politique là, j'en y a gagne influence dans économique là, etc. Mais c'est le même pour paquet en paquet de pays dans Amérique latine. Nous trouvons nous en situation et côté que depuis on parle de pays Amérique latine, nous toujours fait référence avec trafic de drogue, avec causer et cocaïne, marijuana, etc. etc. Et je dis là qui s'accrivait. Et semaine passée, nous tendait un seul dossier qui a fait actualité sur internet là, arrestation au ancien président Honduras, chaîne nan pi, etc. On pas quelque monde qui réjouit, mais faut qu'on est dans quel contexte. Juan Orlando joue une arrestation. Faut comprendre dans quel contexte États-Unis utilisent le tout. Leur Haïti nouvelle arrestation arrive, bon paquet monde tout qui a cherché qui implication, qui relation qui gagne entre président Hernandez avec et famille Martelly avec précisément Olivier Martelly. Faut moi mettre nous clair et faut nous comprendre ça pour l'expliquer là, ça pour le dire là. En 2015, il y a un président Honduras, yo t'es arrêté petit li en Haïti. Diye, t'es collaboré avec autorité haïtienne, yo, pour arriver, joindre arrestation petite président ça. Mais président ça, t'as gagné rien pour louer avec président Hernandez. Ça, son ancien président lié tout, mais son président, qui t'est monté sous pouvoir en 2010 et t'est fini mandat en 2014. Alors que, président, qui s'est arrêté tout récemment là, Hernandez, li monté pouvoir en 2014, li quitté, li bénéficié de mandat, quitté pouvoir 27 janvier 2022. Et petit président, il était arrêté en Haïti, qui a gagné une relation avec Olivier Martelly, c'est petit Porfirio Lobo Sosa. Et là, m'a parlé nous de Fabio Lobo, qui c'est petit président Honduras, et entre guillemets, qui t'a censé zami Olivier Martelly. Le dit, il a arrêté Fabio et Fabio Lobo en Haïti en 2015. Il a arrêté parce que lui a gagné des accusations de trafic de drogue. Mais, dans le contexte, si j'ai une arrestation, là, on pas qu'être monde jodi là, qui a pu lié et ça passe Hernandez avec Olivier Martelly pour nous poser. Bon, c'est normal pour nous poser une question, c'est normal pour nous et comprendre tout.
Et dans quel contexte Honduras et dans quel contexte ancien président Honduras s'en joint à l'arrestation, il faut que nous connaissions est-ce que réellement pas de lien, il faut que nous cherchions des informations, il faut que nous cherchions des éléments de réponse. Donc, qui ça qui arrive là? Tu as gagné des informations préliminaires et que Dié t'a mené des informations sur Fabio Lobo. Et à l'époque, Fabio Lobo lui-même qui était ami Olivier Martelly, tu as gagné des voyages continus qu'elle t'a fait en Haïti. OK, tout le temps la vie en Haïti et tout le temps il le vit en Haïti, la rencontre avec la famille présidentielle etc., etc. Donc Dié prétend que c'est un couloir, son couloir n'est que t'as ouvert, son couloir et Fabio Lobo t'est venu en Haïti pour l'ouvrir pour qu'a fait drogue passer. Mais cependant, pendant que gagne toute suspicion ça yo, pendant que gagne toute et alerte ça yo sous Fabio Lobo, mais pas gain rien dit, pas jamais mettre des éléments d'information dehors pour dire que effectivement t'es gagné des voyages suspects qui fait en Haïti, mais voyage ça yo, yo pas jamais dit que li gon relation direct qui gagne pour avec cause drogue avec Olivier Martelly. Donc si voyage Fabio Lobo qu'on fait en Haïti yo, dié trouver voyage ça suspect, dié trouver que c'est un couloir son réseau pour trafic drogue, son réseau de criminalité que Fabio Lobo voulait mettre en Haïti. Et donc c'est normal pour yo coopérer avec la police pour yo arriver à arrêter. Mais cependant, depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui là, nous pouvons jamais entendre qui ça qui gen pouwe avec Olivier Martelly, qui ça qui dit sur Olivier Martelly que Dié ta au moins et gen des suspicions etc., etc. Donc de 2015 à aujourd'hui là, on t'a censé dire que et Olivier Martelly clean puisque ou pas ouais qui ça qui dit ou pas ouais qui démarche qui fait etc., etc. Mais maintenant, bon bagaille pour nous comprendre. Information là et tellement information là, nous pas qu'à rentrer dans logique côté que nous pas qu'à rentrer dans logique de distraction. Nous pas qu'à rentrer dans logique côté que et n'a vinn distrait public là, n'a vinn bail des informations qui pas vérifiées etc., etc. C'est pour ça, c'est une des raisons qui fait si information là, je dis on supposé à puiser à la source et pour venir avec eux pour mieux comprendre. Oui, Juan Orlando Hernandez, ancien président Honduras, s'en joint à l'arrestation pour causer drogue. Mais ni de loin ni de près, je dis là, pas de rien qui lié avec Olivier Martelly. Mais cependant, là nous remonter le temps en 2015, effectivement, Olivier Martelly a une relation zamitaï avec petit ancien président Honduras. Qui lui-même te joint arrestation en Haïti. Tellement t'as une question qui pose. T'as même dit que c'est deal qui fait avec Dié, etc., etc., pour aboutir avec arrestation et Fabio Lobo en Haïti. Mais ça pour nous retenir. Ça pour nous retenir après arrestation Fabio Lobo, pas gagné. Comme si papa n'a pas fait aucune démarche pour t'a dit et pour t'a dit que li pral prend avocat pour lui, li pral faire libérer, li pral présent ou bien li pral influencer etc., etc. Pas de gen bagay comme ça. Yo arrêté Fabio en Haïti, d'y aller avec Fabio et puis et Fabio lui-même li fait toute démarche connait yo pour chercher avocat pour défendre etc. Jusque là ça s'arrête là. Nous même nous seulement là pour chercher information, nous seulement là pour traiter et sujet yo avec professionnalisme, une bonne information qui publique yo, information qui vérifie yo et jusqu'à ce que la justice haïtienne, si vous gagnez des éléments de preuve qui t'a impliqué X, Y, Z dans cause et trafic de drogue, dans cause stupéfiant, puis arriver sur vous. Mais vous avez qui est extrêmement important, je dis, pour retenir. Le fait que États-Unis, non seulement il y a des accusations, il y a des suspicions, vous mettez et sous dos ancien président Honduras, vous n'avez pas arrêté là, vous demandez extradition. Nous pouvons nous dans une situation côté que Hernandez qui joue une arrestation en Honduras, États-Unis utilisent le même genre avec Manuel Noriega. Emmanuel Noriega, son ancien président panaméen, et qui lui-même tout,
connais. États-Unis avec Dieu, depuis où c'est président, c'est autorité dans l'Amérique latine, non? Ou toujours on cause des drogues que Nexayo a mis sous dos, Dieu a mis sous dos. Qui s'est arrivé? Pour nous retourner avec le président Honduras, qui s'est arrêté tout récemment là, depuis 2014, il est monté sous pouvoir, c'est ton allié incontournable pour les États-Unis. Son allié déterminant pour les États-Unis dans l'Amérique latine. Parce que qui s'arrive? Le Hernandez prend pouvoir, élément de formation pour le faire comprendre que li abouti, il rive prend pouvoir, il rive monter sous pouvoir parce que il te gagné Clinton qui t'a push li. Même gens nous en Haïti ont toujours fait, il a rentré dans cause politique non, il a influencé, il a cherché candidat, il a financé élection. Information fait qu'on est que jusqu'à hauteur de 60 millions de dollars américains, Clinton est arrivé et supporté Hernandez, fait campagne avec Hernandez, mettez Hernandez au pouvoir en façon pour qu'il contrôler ce qui a passé en Honduras. Pour qu'il ait contrôle le pays, pour qu'il ait contrôle et non, on est ressources. Puisque je dis là, ok. Qui ça réflexe ça? Le plus souvent, il y a toujours une tendance, c'est seulement l'autorité nationale qui a causé trafic de drogue. C'est seulement l'autorité nationale qui a vendu cocaïne, qui a fait ça, pas ça, qui a marché noir, qui a corruption. Alors que, qui ça idée? Le plus souvent, les gens qui mettent sous pouvoir, les gens qui ouvrent le canal pour monter sous pouvoir, les mêmes tout les gens redevance, les mêmes tout les gens bagaille à chercher. Imaginons quelques secondes, pour investir 60 millions de dollars dans la campagne, pour investir 60 millions de dollars pour le permettre de prendre pouvoir, donc les gens n'ont pas besoin de rien en retour. Nous n'avons pas besoin de rien en retour. Pas n'avons aucun intérêt à viser en retour. Ce n'est pas vrai. Nous avons menti à tête. Nous. Donc là, le Clinton a contribué à hauteur de 60 millions de dollars pour te permettre à ce que Hernandez bénéficie et pouvoir, il prend pouvoir en Honduras. Maintenant, il y a des bagages qui ont besoin en retour. Il faut Hernandez Caballol. À un certain moment de la durée, les États-Unis a bien travaillé. Hernandez a bien collaboré avec les États-Unis dans le premier mandat. L'autre bagage a marché très bien. Et en pile gros journal aux États-Unis, que CNN, que le Washington Post, que le New York Times, à l'époque c'était éloge, c'est glorifié, on t'a glorifié Hernandez. À l'époque, Hernandez son petit sainté, son petit bon gelé, c'est un nan moun qui était pissé, qui pas nan causé drogue. On dit là, c'est un nan moun qui était gen pi belle image. On dit là, c'est un nan moun qui était de notoriété. On dit là. Nous comprenons le dilemme. Est-ce que nous comprenons le problème qui gagne? L'on avec Nexayo, l'on collaboré avec eux, l'on prêt pour vendre pays, l'on prêt et pour passer les principes démocratiques en bas, l'on prêt pour être en petit tout soucieux. Yo toléro, yo glorifio, yo fait tout éloge pour vous. Ou c'est plus bon monde qui existe. Mais qu'on y est, qui ça peut arriver? Nous trouvons nous en situation côté que le deuxième mandat commencé pour Hernandez 2014-2018, 2018-2022, deuxième mandat, pas de problème, Hernandez continue à collaborer avec le gouvernement américain, continue à collaborer comme si de rien n'était avec les États-Unis. Objectif, c'est qu'ils ont créé avec Donald Trump. C'est arriver à contrôler l'immigration clandestine qu'a fait aux États-Unis. Parce que le immigrant, le monde, il prend route là, il passe Panama, Honduras. Donc, Honduras si même l'ité joué comme si l'ité un rôle de barrière, l'ité un rôle de contenance, la contenu immigrant yo en façon pour pas arriver à aller aux États-Unis. Donc malgré tout et travail ça Hernandez t'a fait travail de coopération ça t'a fait avec États-Unis. États-Unis t'es toujours voulu, c'est eux même qui pouvaient contrôler Hernandez. C'est eux même qui pouvaient contrôler et diplomatie la Kaili. C'est eux même qui pouvaient contrôler relation etc. Donc Hernandez lui-même à un certain moment, nèg la grand moun, nèg la président la Kaili, li gen tout droit, li gen toute liberté. Li décide approcher de président nicaraguayen Daniel Ortega. Et nous connaît États-Unis lui-même, li pas nan cause Cuba, alors que Daniel Ortega, président nicaraguayen qui s'allie, li c'est un allié Cuba.
qui dit Cuba ou lever toute plume sous dos États-Unis. Donc, qu'on y a, nèg yo commencé mettre des petits points rouges, yo commencé mettre des petits croix par bon côté et Noy Hernandez, puisque à plusieurs reprises, yo exhorté, yo râlé les oreilles, yo râlé, par contre, yo tapé et en nom des gens façon pour le camper et relation folie ça gagner livré relation ami taille ça livré al mari sosi ça livré al mari avec Daniel Ortega président nicaraguayen lui même li pas attendel pas wè yo voye délégation États-Unis voye deux délégations à Léon Duras al chita avec Juan Orlando Hernandez président pour yo parler avec pour yo expliquer l'enjeu tout bagay lui même li pas wè pas attendé. Yo fin voye aller, yo fin voye e délégation et puis deux jours après li levé ki bol aller, li aller Nicaragua, li al rencontré avec Daniel Ortega. Et depuis le ça, tout bagay pral chavire net pour Hernandez parce que États-Unis là, yo perdu contrôle Hernandez. Depuis yo commencé perdu contrôle ou, yo pral jouer tout tivis. Et si n'a transposé en Haïti. Si n'a gardé situation Jovenel Moïse. Parce que faut nous faire parallèle yo, nous suivre réalité yo, nous suivre fait yo, nous suivre toute bagaille. Le Jovenel Moïse t'est décidé la continuer avec projet référendum ni au les oreilles ou pas dans référendum. Jovenel Moïse dit référendum pired binu à les oreilles. Jovenel Moïse ou pas dans référendum pired. ONU parle, conditions pas réunies, Jovenel Moïse, référendum pired, changement constitution pired, élection pired, CEP pired. Donc, à un certain moment, tout, Jovenel Moïse était censé adopter même comportement ça. Il était censé monter en rébellion contre le gouvernement américain, contre décision États-Unis à prendre. Donc, que l'on veut ou non, dès que vous commencez des comportements agressif ça dès pour commencer gè comportement côté que ou pense au cas décider de part ou même ou pense au cas prendre des décisions et alors que yo tapo yo ra les oreilles yo gen tambo killing pour suivre yo bon yo gen tambo toute démarche yo tout et yo gen fait toute prévision pour qui kotoye qui koto loué qui koto pralé dès pour pas admettre pour suivre yo c'est sûr que bagay yo pas venir même gens pour yo pas venir dans même panier pour donc qui s'arrive avec Hernandez. Depuis le ça, Hernandez commence la petite étape. Parce que Hernandez, les profs frères, ils ont arrêté, ils ont mis en prison pour causer drogue, pour trafic drogue, pour association drogue. Alors que Honduras lui-même, ils ont mis deux choses sous l'ol. Toute influence qui est en joué par bon côté États-Unis. Honduras te gen mette deux chefs d'accusation sous le président. Qui s'accrivé? Yo pral retire, yo pral clean, yo pral laver parce que yo pas gagné vraiment. Pa gen, et c'est des choses, yo mette sous dol et yo pral finalement dit pas gagné élément de preuve, pas gagné évidence, etc. etc. Yo pral clean. Ne. Et puis, coup mandal fini. 27 janvier, on écrive tape mandal fini et pourtant les États-Unis gen mette mandat. États-Unis ont décidé pour demander extradition. Et tout ça arrive dans une situation côté que faut payer des taux. Ils ont investi 60 millions de dollars dans la campagne. Ils ont investi 60 millions de dollars pour mettre tout dans le pays. Puisque eux-mêmes ont gagné des intérêts. Puisque eux-mêmes ont visé. Yo te gen des objectifs clairs, yo te gen des objectifs précis, yo te gen l'autre yo passo ou te sous commandement yo. Donc si tout ça nan programme nan ou pas décidé suivre li, si tout ça nan programme nan ou pas décidé respecter, kounya yo même yo pral gen zam yo pral utiliser pour yo punir, yo pral gen zam yo pral utiliser pour yo condamner. Et bien kounya ki sa krive aux États-Unis, procureur dans la Cour de New York, qui ça le fait? Il décide, yo accusé Hernandez. Et aussitôt que yo accusé, qui ça a fait? Extradition, yo pral mande ou. Et malgré jodian là, yo accusé président Hernandez, yo pas compte de qui ça, non? Yo pas compte de qui ça? Seulement yo connaît trafic drogue.
Yo pa konnen ki chaj yo retenu kont li nan koz de trafik drog lan puisque yo deside yo kembe tout eleman de formation sa yo secret a yo menm, yo kembe tout eleman de formation sa yo pou pa yo menm. Et c'est yon de rezon jodi an la. En Haïti nous supposé bataille. Nous supposé continuer bataille. Nous gon ensemble de principes constitutionnels. Nous gon ensemble de principes qui là qui interdit à ce que Haïti ou nan pays ou ses citoyens haïtiens constitution interdit à ce que Haïti remet pays étranger et ressortissant. Mais c'est chaque jour nous tendez dire après entrer en Haïti vin arrêter moun pour trafic de drogue. C'est chaque jour nous tendez et dire après entrer en Haïti li gagne des accusations le porter sous des citoyens haïtiens nan cause de drogue yo vini yo prend alors que constitution interdit ou gen des charges retenu contre moun nan ou ka juger en Haïti, li ka juger en Haïti, ou ka condamner en Haïti. Mais étant donné que autorité haïtienne yo nous pas là pour nous faire respecter principe yo, nous pas là pour nous faire respecter sa constitution dit, nous pas là pour nous faire respecter sa sa principe yo, sa yo qui ça qui là dedans. Donc c'est toujours nous en situation côté que n'a prouvé. Et surtout Haïti son pays qui sous commandement, qui sous tutelle américaine. Donc c'est normal. C'est normal pour nous joindre autorité yo qui pas défend haïtien, c'est normal pour nous joindre des autorités. Bon pour autorité yo peut-être pas yo, yo gen accusation, yo gen dossier drogue yo nan diye. Yo gen dossier drogue yo la caille blanc. Donc qui ça pour yo faire? Yo obligé soumettre yo. Yo pas connait qui l'a privé sous yo. Yo pas connait si yo rentré en rébellion si c'est pas eux même y a vinn prendre. Donc c'est normal. C'est normal. Gon bagay m vin toujours songer. Même le ta gen distrait international te signé avec n'importe président te. Même le ta tande te gen traité depuis 1904 qui te signé traité d'extradition. Traité on traité pas supérieur avec constitution. Constitution c'est maman loi pays en lié. Sa constitution en dit c'est lui même qui doit passer. Si gon traité, si gon article non traité. Si gon point non traité. Qui contraire avec la constitution, automatiquement, lui tombe. Même l'entendre traité d'extradition, même l'entendre ces coopérations, dire, basées sur une forme de coopération pour arrêter aujourd'hui, ça, ici, à la ville, la constitution interdit, ça, c'est une violation. Donc, si nous avons conclu, on va comprendre que, Amérique, c'est les États-Unis qui gouvernent, qui dirigent, c'est lui-même qui chef de file. Si nous pouvons monter le temps, nous avons toujours une télé l'école qui apprend nous la doctrine de monde ou l'Amérique aux Américains. C'est exactement ça lié. Que on a Amérique latine, que on a n'importe quoi en Amérique là. Chef Amérique là, les États-Unis. Donc, whatever pays il est, que il est Honduras, que il est Panama, que il est Nicaragua, que il est Venezuela. Ou ka toujours gen des autorités qui yo même yo vle camper, yo vle goumen, yo vle défendre souveraineté pays yo, yo vle défendre population, yo vle faire respecter principe démocratique la kay yo. Mais c'est pas pour autant que États-Unis pas toujours gen influence. C'est pas pour autant que États-Unis pas toujours gen contrôle. On regarde ça qui passé et Venezuela là. Nous pas on Guaido li mette tête li comme et comme président de l'opposition. Li autoproclamé tête li président. Qui ça fait communauté internationale là c'est Juan Guaido yo supporter c'est Juan Guaido yo a push c'est lui-même il a signé envers il a signé et il a signé yo invité la commission yo invité l'assemblée etc. C'est avec il a dit c'est avec il a traité parce que yo reconnaît lui comme président alors que son forme de coup d'état lié son coup d'état lié mais yo campé d'elle communauté internationale campé d'elle États-Unis campé d'elle. On transpose la caillou, on regarde ce qui a passé la caillou. Qui quantité autorité qui décide de proclamer de ton président, qui auto-proclamer de ton président, qui ça nous est. Nous parlons même communauté internationale, ça. Nous parlons de Bachal Barede, yo dit Yoshita dialogue, yo dit Yoshita parler parce que le pas d'intérêt. Donc le bagage là dans l'intérêt États-Unis, c'est eux même qui décide de rentrer dans le pays et puis qui casse l'ordre juridique là. Qui casse les principes démocratiques automatiquement, qui fait violation de souveraineté. Donc, en Haïti, ça va passer là. Ce n'est pas seulement Haïtien non, qui viole les principes, qui viole les souveraineté pays. C'est parce que vous connaissez, vous avez des gens qui poussent, vous avez des gens qui baillent au back-up, vous avez des gens qui supportent. Donc, toutes conditions réunies, conditions favorables pour monsieur, dame, ça, pour créer des démagogies dans le pays.
États-Unis derrière. Donc doctrine de Monroe ça dès le départ qui faut comprendre qui fait quoi que l'Amérique est aux Américains, c'est vrai. Toute autorité, tout chef, tout président qui constituait Amérique là, États-Unis considéré comme chulio. États-Unis toujours gain influence. États-Unis toujours gain contrôle. Et pas besoin de parler nous de pays aujourd'hui là qui gagne crise, qui gagne guerre civile, qui gagne trafic de drogue, qui gagne cartel, etc. etc. Ça yo contrôlé, ça yo géré honnête aller. Donc travail qui pour faire là avant tout son travail collectif lié en tant que citoyen haïtien aujourd'hui là qui ça nous doit faire. Nous doit toujours travailler de concert, nous doit toujours travailler pour nous aider l'autre grand haïtien côté nous qui pas connaît ça qui passé à travers principio, qui pas connaît ça qui passé dans tête l'état, qui pas connaît ça qui passé dans institution yo, qui pas comprendre des décisions politiques qui prend, qui pas comprendre des décisions qui prend au niveau de la communauté internationale qui concerne les pays, pour nous aider à comprendre réalité ça. Jodi an sa ta di ke, sa ta di États-Unis ta mande pou yo extrader Hernandez Bali. Alors que depuis président, yo investi nan campagne li, yo investi l'argent mete sou pouvoir, yo fin utiliser, yo fin utiliser, utiliser, réutiliser, et yo jete l dans un chaussette sale. C'est ça yo fait. Et c'est même Jean Noël yo fait avec Jovenel Moïse, c'est même Jean Noël yo fait avec un paquet président nan. Amérique latine. Vous pouvez poser d'autres questions pour qui ça en paquet président, yo fini mandat yo, yo pas arrêté yo fini mandat yo et yo pas assassiné au Jovenel Moïse, yo fini mandat yo pas arrêté yo pour drogue etc. Parce que ça États-Unis t'a cherché, ça États-Unis t'a besoin, yo pas États-Unis. Son deal bagay yo et tout ça nous est fait c'est des deal yo. C'est deal yo. Maintenant c'est chercher contre qui ça néglanté bail. Groupe Mounzayo, c'est qui ça le bail pour combler attente américain yo, c'est qui ça le vend yo, est-ce que c'est ressources naturelles nous yo, est-ce que c'est ressources minières nous yo, est-ce que c'est sous-sol là yo bail piller yo bail exploiter parce que femme dit nous ça, m'a regardé une photo récemment qui a circulé des étrangers qui allaient il a vache là, qui ça va le faire, pas connait moun yo vraiment, moun yo tout menté. Moun yo tout menté parce que yo un paquet d'étrangers vini matériel nan do yo descend hélicoptère etc. yo vini y a monté mon nan. Est-ce que États-Unis nous t'ont débarqué nous avec matériel nous n'a piqué nous praler? Non, faut ta connait côté nous praler. Faut ta connait côté nous praler, gè garde forestier, gè moun, gè policier sur tout route k'ap chercher et qui fait travail yo. Donc c'est normal nous même en Haïti faut nous commencer viser des responsables qui ka fait travail yo, des responsables qui konn responsabilité yo. Nous pas prendre des autorités mettre là pour nous dire que pour nous dire et nous mettre pour faire travail pour nous alors que pas ka bay résultat. Alors que jodi an là non EA le gen réunion ka fait, le gen assemblée ka fait, autorité yo pas défendre intérêt pays, yo pas défendre intérêt la caillou. Ou non OEA, n'a pas un exemple simple. Ou non OEA, organisation État américain. Faut qu'a défendre droit comme yon nan pays qui siège nan organisation. Faut qu'a défendre droit comme yon nan pays qui fait partie de l'Amérique là. Côté que yon viole souveraineté ou, yon viole intégrité pays ou, yon viole droit gagné pour faire respecter constitution la caillou. Puisque même OEA ça, le. États-Unis décide, li viole les principes souverains la caille Haïti, li viole les principes souverains la caille Honduras, li viole les principes souverains la caille Panama, li pas campé pour le défendre. Assemblée a pas campé pour le défendre pays a yo. Tout le monde se silence radio parce que même OEA ça qui est cap diriger, qui est chef de file li États-Unis, même ONU ça qui est chef de file li États-Unis. L'opra conseil permanent. Ou prend grande puissance qui constitue et organe permanent, etc. Nous pensons que c'est un jouet de Simon, c'est pas un jouet de Simon. États-Unis est au centre de tout. L'inomite tout toute bagaille. Toute grande décision, c'est lui-même qui prend aujourd'hui là. Si nous-mêmes, nous pas décider comment se réveiller nous, pour nous faire valoir ça, nous gagner comme autonomie, pour nous défendre nous, pour nous défendre souveraineté pays nous, nous avons toujours une situation, il n'y a pas assassiné président nous. Il a fini faire complot pour assassiner le président nous la caillou aux États-Unis.
Il a fini faire complot pour assassiner le président nous alors que le financement sur la caillou aux États-Unis. Il a fini faire complot pour assassiner le président nous alors que chef de filio la caillou aux États-Unis. Et puis yo pral vinn di nou, yo pral arrêté moun pour al ban nou jugement encore la caillou aux États-Unis. Pour al ban nou justice la caillou aux États-Unis. Bagay sa ou c'est blague, bagay sa ou c'est cinéma qu'a fait, faux film qu'a fait. En tout cas. Et c'est sacré le revers de la médaille en tout. En 2016, même président Hernandez ça l'était fait. Comment l'était joué? Li t'est arrivé extradé aux États-Unis. Li est extradé aux États-Unis trois citoyens honduriens. Pour même causer trafic de drogue, sous influence même moun et Clinton sa yo, en 2016, li voye aller aux États-Unis. Mais, nan trois moun sa yo yo arrêté, yo voye aux États-Unis, gen yon qui te accuse Clinton, comme yon nan moun qui te commandité assassinat, un écologiste hondurien qui t'a manifesté, qui t'a revendiqué, ensemble d'exactions que Américains ont fait en Honduras qui t'a violé principe écologique, qui t'a violé principe environnemental. L'on assassiné Berta Isabel Flores en 2016. C'est même président Hernandez pour bagay la pas parler, pour bagay la pas faire gros lobo qui t'a voyé toi Hondurien ça aller aux États-Unis. Donc, vous pouvez comprendre la situation. C'est bon, ma bon. En 2016, il était livré en Hondurien aux États-Unis parce que vous avez une lade qui était cité non Clinton comme un homme qui était premier et commandité assassinat et militant écologiste. Eh bien, je dis, là, qui est-ce qui va le camper défendre? Des fois, nous ne sommes pas prêts pour nous défendre citoyens. Nous ne sommes pas prêts pour nous faire respecter les principes là car nous pensons que nous avons des intérêts, nous avons des deals que l'autre monde offre, nous avons des bagages que l'autre monde bat, etc. Et puis, puis devant la poêle, nous n'avons pas besoin. Nous, les États-Unis n'ont pas besoin nous comme autorité, comme dirigeant, comme chef. C'est même gens tout. C'est même gens tout la pote bourrée, la mettre maintenant pas de cassave, nous la mettre maintenant collette. Nous, ils prennent la veine, nous le prennent fermer, nous en côté. Donc, je dis, là, c'est dans la situation, ça, Hernandez, et m'espérer que nous vraiment, et nous comprenons toute démarche qu'a faite par mon côté américain, yo. Pour y venir mettre mes sous moun, yo fin utiliser. Pour y venir mettre mes sous des chefs d'État, des dirigeants que yo fin utiliser, yo pas besoin encore. En Haïti, genèg la, matin, ils ont tendé ou nan cocaïne, ou tendé ou nan trafic drogue, ou nan trafic zam. Yo, pourquoi arrive sou yo? Parce que yo besoin yo. Toujours yo gen des plans pour yo. Yo gen des plans pour yo, puisque yo konne en Haïti, comme bagay la yi. Constitution, c'est deux mandats le bay. Li bon possibilité ka brigue deux mandats. Sou fon premier mandat, ou bien servi yo, yo a toujours créé situation pour yo bon lot encore. Pour yo fin jouy sa yap jouy, et puis après, s'il le faut, il arrive sous. Après, s'il le faut, tout dépend de gens, ça finit. Il y a maintenant pas de casse à vous. C'est un film à suivre. Nous parlons de Jean Préval, il mourit. Jean Préval mourit, nous ne connaissons pas. Jusqu'à date, nous ne connaissons pas si son assassinat. Jusqu'à date, nous ne connaissons pas si son mort naturel. Mais il est mort. Jovenel Moïse, nous parlons de Jean fini là, il a assassiné. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que, Negisit, Chita fait chou les États-Unis. Et puis, pas défendre le pays. Pas créer infrastructure dans le pays. Pas mettre l'hôpital dans le pays. Pas changer condition de la vie dans le pays. Et puis, attendre que puis devant, vous prenez le crier pour vous, vous prenez le bataille pour vous, vous prenez le gourmet pour vous. Non. Faut que nous comprenions que la réalité qui est là, c'est la caille pour nous changer. Donc, tout a été dit concernant l'histoire ça qui est pour avec Olivier Martelly, qui est pour avec Hernandez, qui est pour avec Fabio Lobo. Donc nous connaissons toute histoire là, nous connaissons tout petit détail yo et m'espérer que n'a comprendre plus bien, n'a comprendre réalité n'a vivant en Haïti, n'a comprendre influence États-Unis gain tout bon dans Amérique là. Leur dit l'Amérique aux Américains, c'est exactement ça lié. Haïti nous chaque jour plus. Chaque jour, plus ou yon gen tendance pour yon dou Haïti se nan Caraïbes blan li. Yon pousse don nou, yon fait comme si nous pas nan Amérique la. Yon oublie si nan OEA comme un pays qui fait partie de Amérique la. Yon a parlé de Haïti, je disais là. Yon plus gen tendance yon dou ou nan Caraïbes. Yon pousse don mit de yon. Se nous même qui pou bataille, je disais là. Se nous pou bataille pour nous chavir le système, pour nous faire un chambardement. Se pas ni Ariel Henry qui pral vel pour nous. Se pas ni Montana qui pral vel pour nous.
C'est pas ni opposition qui va le faire pour nous, c'est pas ni avocat peuple qui va le faire pour nous. C'est nous-mêmes qui pour prendre responsabilité nous, qui pour commencer à prendre conscience que Haïti pas carré comme ça. Et puis pour nous-mêmes pour nous changer ça. Mais c'est nous-mêmes qui avons fait Bekate, Zesof Moringa pour tes solutions pour nous. Gains outils si on peut mal qui permettent d'allonger peine ou bal longueur ouvlé pour mon ouvlé. Gains bandes si on comprimé qui permettent gain bon gens en dirant sexuel. Wow! Pour plus d'informations, relève dans 514 886 97 76. Ou bien visitez site là www.zesofmoringa.com. Depuis les m'a utilisé pour mat gen zouti à comprimer gen bon, mesdames, c'est mariage seulement y'a mandim. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Mes amis, attendez ça. Où c'est haïtien, où est mes pays, où? Et puis, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Émission Mon Éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon Éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2h, de chez Chanel par là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon Éditorial. Nous bral la balle pays, nous bral fait débat, c'est toujours même Yannick, l'en même voix.